être toujours aussi silencieux. Ça fait plaisir à voir. Leda. Alors. Leda, toi qui avais laissé une lettre. Oh, hello. Did you feel it? Mikkelethkind's enchantment appears to have broken. But while my devotion to kindly Mikkela remains unchanged, by my troth, I am not so sure about the others. No, wait. Perhaps this is a blessing in disguise. I can wield my sword to cull the undeserving, those unfit to bask in tender Mikula's presence. I should have thought of this earlier. Ouais, va péter un câble, Leda. Right. It's time to begin ferreting out those of us who don't deserve to be at kindly Mikula's side. Ah mais c'était lui que j'avais vu. What cruelty is this? Who would rob me of my one vital purpose? Am I so feeble, witless, dull of blade that vengeance was never taught in mine? Oh mother, oh most cherished wife and child, it seems vengeance was not mine to enact. Where now should I point my tired blade? Where now? Kerastien. Ouais, j'avais pas eu son nom du coup. Putain, faut que j'aille voir Thiolier. Wow. Je suggère de buter Thiolier. Je l'avais pas vu venir celle-là. Thiolier. Thiolier, t'es en danger. Oh. Are you not affected? Even with the spell broken, I'm feeling rather lost. Haunted by memories of Saint Trina. Her visage. Her scent. The lure of velvety sleep. Would kindly Mikkela chasten me for falling for Saint Trina, while knowing that she was the discarded half? Problem is, I simply cannot help it. I would sacrifice everything just to gaze upon her one last time. Okay. I'm feeling rather lost of Saint Trina. Si Mikkela, il a eu tous ses gens par un sort, je suis désolé, ces gens n'ont rien fait de mal. Hein. C'est juste elle qui est devenue extrémiste à fond de balle. Mais en même temps, est-ce que ça m'ouvrirait pas une porte? Est-ce que j'utiliserais pas son extrémisme pour moi? I'm afraid Sir Anne's back will have to be next. He insists that he's nothing but a worn down over the hill soldier. But in his day, he was the feared commander of the pure blood knights, who cleaved open Mikkelethkind with his blood blade. He claims he hasn't the spirit to take up his sword again, but I doubt it'll be very long before he recalls, as I have, the cascading sheets of blood. I'm afraid he cannot be left to fester. I've come to a realization. There's ample evidence. Without kindly Mikkela's influence, I'm quite mistrustful of others. I've come to a re- there's ample I'm quite mis-
Eh ben... on y attend, on va aller le revoir. Putain, je suis en panique pour les autres. Bordel. Oh. Mais quel enfer. Je vais même pas aller ici, putain. Mais tout ressemble ici, c'est ça qui est chiant. Ah, donc du coup ici je suis pas allé non plus. Mémo. Je me fais un mémo dans ma tête. J'ai oublié ce coup. Voilà, alterner les ennemis. Copain. What could they possibly have in the implication? Oh damn. Bon, l'autre il s'est rebarré. Je vais revoir les dos. Merde! Le mémo mental que je me suis fait. Bon. Pour le moment, elle s'en balèque. Je suis désolé. Je suis désolé, mais je me dis, putain, elle va buter tout le monde. Par là, j'y suis pas allé. Ça s'enfonce encore plus. Bon, ça va vite. Il est énorme ce château. Il est énorme. What the? Une jarre. La volaille sur ce mur, on s'en bat les couilles. Si je veux de la volaille, je vais au KFC et puis merde. Ça a l'air bien sympa cet endroit. J'ai tenté. Il faudra que je me soigne un petit peu quand même. Sécurité avant tout. Ils font de la distance.
Je savais pas. À des distances, distances comme ça. Bon, c'est bon à savoir. Chaque fois, je me fais avoir. Agressif, pas agressif. Agressif. Désolé, petite jarre. Je trouve fort mignonne, mais... Oh, le charnier, toi! Qui s'est dit que ça? C'est nouveau ça. Ah mais c'est lui qui invoque... Qu'est-ce que c'est que cette mélasse? Iris de grâce. T'as encore une? En peau fissurée. Oh, ça c'est bien. Ça c'est très bien ça, on va pouvoir faire des grenades. Je sais pas pourquoi je fais cet accent. T'as rien. Je pète un câble. Plus discret la prochaine fois. Est énorme cet endroit. Un autre... Ah, c'est de grâce. Ah, t'imagines la taille. La taille du château. T'as même pas la moitié qui... que tu dois traverser pour aller voir le boss obligatoire. Le reste, c'est que de l'optionnel. Ça, c'est purement optionnel. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ah. La grâce me guide. Peut-être pas si optionnel que ça. Alors une forme d'optionnel? Je sais pas, je réfléchis trop. Ok, la grande porte ne s'ouvre pas. Ah, c'est ce fameux pont que j'avais vu. Alors, par contre, il est... un peu long. Pour pas qu'il y ait un truc qui va me débouler sur la gueule. Je me méfie. Hein. Va pas y avoir que des chauves pourries. Il va y avoir que des chauves pourries. Enfin, j'espère, mais je sais qu'il n'y aura pas que ça. Sans de bait. Pourquoi ça pleut du feu? Pourquoi ça pleut du feu? Pourquoi ça pleut du feu? Ah, d'accord.
Arrête ça. Pas chiant, toi. Putain, il perdra pas son équilibre, hein. Capuche de salsa. Capuche de feu. Ouais, putain. Capuche de feu, c'est sacrément chiant, hein. Direction une autre zone, j'ai l'impression. Ah ouais. Ah oui, en effet. J'ai voyagé loin là. J'ai voyagé loin. Une antique d'euros. Et bah c'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez, explorons l'inexploré. Ah, c'est là que tu vois que le château de Mesmer, quand même, il... Il y a pas mal de passages. Hein. Ça doit être bien le seul ours qui n'en a absolument rien à foutre. C'est le seul ours qui n'en a absolument rien à battre. De lien, manuel expert en antiquité. Ok. Ok. Parce que, à part en faisant le TP, on peut pas faire grand chose. Bon, du coup, par là, j'y suis allé. Il vaut mieux que j'aille me balader dans le sud pour récupérer la carte. Que là, sur une carte, j'aime pas être aveugle. Viens par ici. Ah ah, oui. Et merci au Nino Yami pour le follow et merci aussi pour le raid. Ezila TV, merci beaucoup les gars. Merci, bienvenue, bienvenue à tous. Et, oh putain, la vague de follow, attention les mecs, attention. Waouh, 200.
Merci les gars pour le follow, c'est super gentil. Merci Sina TV, merci Jingo TV pour le follow, merci beaucoup. Bienvenue tout le monde, moi c'est Psycho Jack, on est sur Elden Ring, on est en train de faire Shadow of the Earth Tree, l'extension de Elden Ring. Voilà, vous attendez pas à du gros gameplay, vous attendez pas à quoi que ce soit avec moi, du coup. Mais au moins attendez-vous à beaucoup d'exploration. Beaucoup de trucs à voir. Et voilà. Voilà. Juste vous attendez à ça. Grâce à Venomus, nous sommes ici. Merci Venomus. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi, Venomus. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon stream de l'autre côté. C'était chez qui? C'était ici là. Ça va? Et ici là? T'as streamé sur quoi du coup? J'espère que vous avez apprécié votre après-midi. Venomus. Ah, on n'est pas des pro players, sauf ici Venom et Kingred. Ah, c'était cool. Ah, tant mieux. Super. Tant mieux, tant mieux. Par ici, il n'y a pas grand-chose. Ah, bonjour. Allez! Que le massacre commence! Tu fais quoi sur ta chaîne en général? Alors, en ce moment, pas mal de Elden Ring. J'avais fait aussi du Dokapon Kingdom avec les copains. Je sais pas si tu connais un style jeu de plateau mélangé à du RPG, mélangé à du un petit peu du Mario Party aussi. C'était cool aussi. Ce que je fais aussi... Bah, je me prends des pots dans la gueule. Et je me suis mis hier à The Casting of Frankstone de l'univers de Dead by Daylight. Voilà en gros ce que je fais. Des fois je joue en ligne. C'est devenu rare que je joue en ligne tout seul. Et quand j'ai les copains, je joue en ligne. Voilà voilà en gros. Ah, t'as fait Casting of Frankstone aussi? Cool. Je les aime pas ceux-là. Le raton, le renard, le Plurskler 2, exact. Ah, moi je l'avais fait. Bah, mais non, je l'avais fait avec. Juste avec Plurs et. Et Z. La team, exact, exact. J'attends les jeux narratifs. Ouais, c'est vrai qu'il est cool. C'est vrai qu'il est cool. Moi perso, c'est mon premier jeu narratif. J'avais pas fait... J'avais pas fait les Dark Pictures Anthology. J'ai pas fait The Carry. J'ai pas non plus fait... Until Dawn. J'ai regardé, mais j'ai pas joué. Mais en vrai, c'est cool. Ça change. T'es reposant entre guillemets, pas reposant. T'as pas ta tête qui bosse H24. Juste regarde une cinématique. Des fois, on te demande de faire un QTE. Let's go. T'aimes bien, tu aimerais les Dark Pictures. Oh, ça, je. Pas de problème. En plus, je me suis pas spoilé les Dark Pictures pour au cas où je les ferai plus tard. Donc là, en vrai. Un de ces quatre, j'ai envie de me les faire, je me les ferai. Ah,
Scorpion. Merde, je me suis fait encercler, j'ai pas vu. Putain, ils se font dans le décor, les saloperies. Avec qui tu as kiffé, j'en dirais pas plus. Ah non, certainement pas. Faut pas spoiler ce genre de jeu. Et déjà, j'adore l'univers de Dead by Daylight, donc... Ah merde. Oh merde. Je les ai pas repérés ceux-là. Je les ai pas repérés. Donc fatalement, c'était sûr que j'allais y jouer. J'avais aussi fait... Hooked on You. Le dating sim signé des DBD. C'était bien fun à faire aussi. J'en profite, dans la description, en dessous du stream, j'ai une chaîne YouTube, si ça vous dit, pour regarder les rediffs. Il y a d'ailleurs les rediffs des Hooked on You dessus. Et j'ai commencé à mettre la rediffusion de The Casting of Frankstone. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir revoir toutes les rediffs de mes streams. Tu y joues pas mal, ça fait longtemps que j'ai pas trop joué. Je joue en général quand je vois qu'il y a un nouvel événement qui arrive. Mais avant j'y jouais beaucoup. J'y jouais vraiment beaucoup. Je kiffe l'ambiance du jeu, je kiffe l'histoire derrière. Toute la mythologie des BD, j'aime beaucoup. Franchement j'adore. Passage là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a joué rien que tout à l'heure, mais pas des games de ouf. Ah bah des fois malheureusement des BD c'est tout ou rien. Putain mais pourquoi je m'embarque? Des BD malheureusement des fois c'est tout ou rien. D'abord, aller voir derrière la porte s'il n'y a pas un site de grâce ou un truc du genre. S'il n'y a pas de site de grâce, j'y retournerai. Laisse mon pionneur, je vais grailler à côté. Juste moi, bonne découverte, je reviendrai. Pas de soucis, pas de soucis. Encore merci, Isila, pour le raid en tout cas. Et puis bon appétit. 1000 d'euros. Bon, j'ai même pas regardé ce que c'était ça, c'est les 1000 d'euros. Même de chercher. Merci, bonne game, merci bien. Ah putain, les escargots. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des vents ascendants? Pourquoi, sacre bleu, y a-t-il des vents ascendants ici? Ah. Ah, je peux invoquer toi. Bon, je vais pas descendre tout de suite et je vais juste voir un petit peu le passage. Le petit passage qu'il y avait avec les scorpions. Ça, ok. On apprend tous les jours.
pas au-dessus. Non, ça va. Alors, mon problème, c'est que je suis arachnophobe. Les scorpions, ça peut encore aller. Le problème des scorpions, c'est qu'ils ressemblent beaucoup trop à des araignées. Donc du coup, j'ai du mal. Et putain! Je pensais réussir à la timer. Ça va le spamming? Ah, elle va pas arrêter de faire ça. C'est pas grave, je vais l'attendre là. Voilà. Oh, m'a saoulé celle-là. Pierre de forge. Putain, ça. Ça grouille de pierre de forge là-dedans. Bordel, mais c'est énorme ces souterrains. Bonjour. Dague de l'enseigne. Bonjour tout le monde. Ça va, c'est pas grave. On récupère de la vie en même temps. Se mettre à se prendre pour des boules de bowling. Là par contre je serais pas contre un site de grâce vu le nombre de runes que j'ai. Ce serait cool. Mais gros c'est... Très gros ce scorpion. Oh, très gros, il fait du dégât. Très gros et il fait du dégât. Scorpion arachnéen. Eh, ça recommence. C'était pas assez chiant comme ça, il en fallait une deuxième. Fleur humectée. J'ai retourné par là. Ah, je crois que j'en reviens ici. Ouais, j'en reviens. J'en reviens. On va aller par là. Hein. Ah, merci pour le suicide. Un site de grâce quelque part? Ah non, par contre. Par contre, il y a une croix. Il y a une croix. Et qu'est-ce que c'est que ça? Tiens. Je te triture l'arrière-train. Et je descends comment sans me casser la gueule?
Oh, bah alors là, c'est encore pire. Bon, l'idée de con. Oh, quelle idée de con. Oh, y'a qu'un con pour avoir une idée comme ça, et c'est moi. Miaou. Miaou. Je suis un chat bloqué en haut d'un arbre. Bon, ça se teste. Non, ça se testait pas du tout. Ça se testait pas du tout. Oh merde. Ah, ça se testait absolument pas. Ah, mais du coup, je suis loin. Ah, j'ai trouvé aucun site de grâce. Ah, loin, non? Pas tellement que ça, en fait. Le truc chiant, c'est qu'il... Putain. Le truc chiant, c'est qu'il faut que je retrouve l'endroit où j'étais rentré. J'aurais même pu dire... Putain, il y a un ascenseur ici aussi. Mais la vache, il y a combien de passages secrets ici? Je m'y retrouve pas. Plus, truc chiant, j'ai pas de carte. Je sais même plus par où je suis passé. Bon, elle sera là maintenant. Hein. Je suis plus à quelques 250 000 runes près. Il se bat avec un tesson de bouteille, ce con. Il s'est battu avec un tesson de bouteille ou c'était moi? Ils sont nombreux. Oh putain, ils sont nombreux. Ah, elle est là. Hey. Ramenez-vous les autres. J'invoque l'invincibilité. Ah, mais il est buff, ce con. Attends, il est en train de faire le truc de mug, là. Est-ce qu'il est en train de me refaire nihil, là? Non, non, tu arrêtes ça tout de suite. Ça tout de suite. Merde. C'était assez déplaisant. La nouvelle zone de l'enfer, en tout cas, ça va être super vertical. C'est très très vertical comme endroit.
pas qui arrive, c'est pas grave. Ça va, heureusement je fais du dégât. Non, pas par ici, je suis déjà mort comme un con en chutant. Quelle de merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, non, mes runes, elles sont juste au-dessus. Oh putain, mes runes, elles sont juste au-dessus. Oh, j'ai envie de canner. Le problème, c'est que si je me laisse encore tomber... Hop là! Allez, je récupère mes runes. Comme ça, j'ai encore plus de runes à perdre. Let's go. Non mais là par contre, sérieusement, on descend où? Oh putain, où est-ce que je descends? Là-bas. Voilà. Et voilà. Ok. Là, par contre, aucun site de grâce. Hein. Je pensais que j'allais pouvoir tenir dessus. Oh la vache! Oh putain, quel enfer! Du coup, je me demande si ce serait pas plus facile. Bah, d'aller là-haut. Parce que là, franchement, aller en bas, ça m'a apporté que des merdes. On va explorer, on va explorer. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas à 250 000 runes près. Je n'ai qu'à level up en endgame. Qu'est-ce que ça représente réellement? C'est moi à monter sur ces putains de racines. Je le ferai après. Ah. Eh ben allez. Ça nous appelle. Attends, c'est pas ici que j'étais venu tout à l'heure? C'était ici, hein? Ah oui! Je suis totalement ici. Attends, je vais...
Non, je meurs pas. Je meurs pas là-dessus. Ah oui, d'accord. Ouais, il me chope en plein vol. Ça jouait à l'usure. Ça jouait à l'usure. Bon. Pas de passage. Non. Bon, je vais prendre les racines. Ça ne m'amène nulle part. J'ai quand même envie. Ok. Bon. Les racines veulent pas que j'aille plus haut. Du moins ces racines-là, mais les autres. Les autres accepteront-elles? J'ai pas l'impression. Vu où elles vont et comment elles sont inclinées. Ah, quoique. Non. Non, non, non. Ok, bon bah. On doit partir dans les souterrains. Hein. Cache pas, j'ai la flemme. J'ai la flemme de devoir tout traverser. Mais bon. On va rush. On rush. On va passer par là. Heureusement, il y a juste assez de place pour moi et Torrent. J'aime. Putain, ils m'ont suivi jusqu'ici, les bâtards. Je déteste les exécrables. Ça a l'air d'être l'endroit le plus safe pour descendre. Ok. Ok, je m'attendais pas à une agression comme ça. S'il y a un vent ascendant ici,
c'est que ça va être le seul moyen de remonter aussi. Pas forcément. Où est-ce? Je savais pas qu'ils allaient tourner la mouche 3. Ouais, on va mettre fin à leur souffrance. Hein. Et un homme d'une grande bonté. J'aime pas voir les gens souffrir. Alors je mets fin à leur calvaire. Dans le jeu. Dans le jeu. Je précise. Talisman à plume raffinée du creuset. Le creuset? The fuck? Par contre, ouais, Doran, il était en train de prendre cher. Ah non, 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 non. Lâchez-moi, lâchez-moi. Putain, les attaques paniques ici. Jack, attaque panique. Non. Ouais. C'est pas grave, on le fait revenir. Il y a bien un moment où je vais recroiser une... Un site de grâce. Champignon et chèvre rouge. Allez, cassez-vous les mouches. Putain. C'est un creuset. Oh putain. Putain, c'est là-bas. Oh putain. Oh oui. Oh oui. Oh j'y vais, j'en ai rien à battre. Oh j'y vais. Oh j'en ai rien à foutre. Ah là franchement il fallait absolument que je me sauve le cul là parce que... Oh putain.